Bande de droits d'auteur. Pas assez de budget du coup, et ben je fais avec ma bouche. Ouais, c'est nul. Bon allez, on lance la critique. Salut bande de mangeurs de chocolat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, ça faisait un peu longtemps, hein. Vous savez hein. Aujourd'hui on va critiquer l'œuvre de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, que vous devez sûrement connaître, parce que si vous ne connaissez pas ce film, et ben je ne sais pas quoi vous dire. Alors, Les Dents de la Mer, créé par Steven Spielberg et réalisé par lui-même, et tout. Tu sais que ce n'est pas Steven Spielberg qui a créé Les Dents de la Mer, mais Peter Ben Schley. Eh oui, Les Dents de la Mer est un roman à la base et non pas un film. Bon, on a compris que tu étais un génie des Dents de la Mer, mais maintenant laisse-moi continuer ma critique. Alors, j'en étais où? Ah oui, alors Steven Spielberg a créé une ambiance et la peur des requins partout dans le monde. C'est pour ça que tout le monde a peur des requins maintenant. Bah d'accord, Jean-Pierre n'a pas peur des requins. Mais toi, je suis sûr que tu as peur des requins comme moi. Ce film m'a terrorisé quand j'étais... Oups. C'était pas du tout prévu. Ce film m'a terrorisé quand j'étais tout gamin. Vous voyez, parce que je l'ai regardé quand j'étais très petit. Mais depuis, j'ai plus envie du tout de me baigner à la mer. Alors, le film est sorti en 1900, je sais pas combien, parce que j'ai pas envie de regarder sur Wikipédia. C'est à vous de regarder sur Wikipédia. Je suis sûr que vous avez la flemme de regarder sur Wikipédia. Moi aussi. Du coup, voilà. Ici, c'est pas Wikipédia, ici, c'est critique. Du coup, on critique le film dès maintenant. Voilà. C'est parti. Le film est sorti en 1975, espèce de petit flemmard. C'est un film très bien réalisé. Peut-être pas un chef-d'œuvre absolu, mais qui frôle alors... le chef-d'œuvre absolu. Tellement l'ambiance, le requin qui est très bien fait, on ne voit qu'à la fin le requin. Voilà. Alors l'histoire, c'est un requin qui mange des gens sur la plage. Enfin, dans l'eau, parce que sur la plage c'est un peu bizarre. Hein. Imaginez-vous un requin sur la plage. Tintintin ! Préparez-vous pour Les Dents de la Plage. Un film bien mieux que Les Dents de la Mer. Ce que je peux reprocher au film, c'est que... Je suis en train de réfléchir parce que j'y ai pas vraiment pensé en fait. Qu'est-ce que je peux reprocher à ce film? Parce que je sais que le film a des erreurs, ça se voit. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Le film peut-être un peu lent des fois, oui. En même temps, voilà, c'est un requin. Aussi pas très réaliste. Parce que voilà, les requins dans la vraie vie, c'est comme des poissons, ça part dès que t'arrives. C'est peut-être pour ça que je lui enlève quelques petits points, parce que le film fait peut-être moins peur, puisqu'il y a aussi des blagues, beaucoup de blagues. Bon après il est quand même assez gore, ouais, enfin pour l'époque, tout ça c'est gore. Voilà, ce film est le film qui me fait vraiment le plus peur. Oui, ça peut paraître bizarre, parce que normalement c'est plus des films avec des poupées magnifiques et tout ça, mais non, c'est Les Dents de la Mer qui m'ont fait peur. Oui, bon, Les Dents de la Mer, on peut penser que ça fait pas peur. Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Je m'en souviens encore. Comme si c'était hier. J'ai plus jamais envie de le revoir. Et en plus, il y a plusieurs suites. Il y a le 1. Ah oui, oui. Évidemment qu'il y a 1 parce qu'on va pas commencer par le 2. Du coup, après, il y a Les Dents de la Mer chapitre 2, 3 et 4. Le 4 qui est apparemment une bouse monumentale. Que peut-être que j'arriverai à regarder, du coup. Parce que voilà. Si c'est une boule, je peux ne pas avoir peur. Alors Steven Spielberg est un grand réalisateur, il nous fait bien comprendre. Qu'est-ce que j'ai envie de citer d'autre? Les acteurs, ils sont pas mal. Quoiqu'un peu les enfants, voilà, comme d'habitude dans les films, les enfants, ouais, ils ont du mal. Voilà, les enfants, ils sont un peu agaçants, comme dans tous les films, en fait. Ouais, comme dans tous les films, les enfants sont agaçants. À part dans Jurassic World, j'ai trouvé les enfants pas agaçants. Ouais, je suis peut-être un des seuls. Eh, hey, t'as pas parlé du personnage principal, joué par Roy Scherder en plus. Bon, c'est moi qui vais le faire. Alors Roy Scherder interprète un maître nageur qui a peur de l'eau, du coup, bah ça va être compliqué pour affronter le requin, mais c'est lui qui affronte le requin.
Du coup, il va devoir surmonter sa peur. Voilà, c'est à peu près tout sur lui. Bon, c'est un peu bizarre, un maître nageur qui a peur des requins. Enfin, de l'eau surtout. C'est bizarre. Bon, il a peur des requins aussi, hein, mais bon, voilà. Je tiens à vous dire quelques petits trucs par rapport avec les dents de la mer. Hein. Mais voilà, je fais cette vidéo un peu à l'arrache. Parce qu'en ce moment, je suis très malade. Ça fait longtemps que je suis malade. Quand on arrive dans la période de Noël, du coup, il va y avoir plusieurs petits trucs spéciaux Noël, voilà. Je n'en dis pas plus, ça arrivera très bientôt. Et aussi, le Seigneur des Peluches 2. Oui, enfin, tout le monde attend cette œuvre monumentale, un chef-d'œuvre absolu, 20 sur 20, tout ça. Ouais, comme pas, c'est un peu nul, voilà, un film de 6 minutes. Bon, là, il durera un peu plus longtemps, il durera 10 minutes, voilà, bientôt un trailer qui arrivera. Bon, à part ça, il y aura une nouvelle série, voilà, que je vais démarrer, qui va être sympathique, où on parle de moi, voilà. Parce que moi, je suis le meilleur, vous êtes minable. Non mais c'est une vague bien sûr, parce que vous devez être des gens formidables derrière votre écran. Il y aura aussi un live spécial Noël sûrement. Bon, revenons à notre film. Il y a une musique fantastique faite dans ce film, je crois que c'est celui qui a fait les musiques de Jurassic Park et Star Wars, quoique, je sais pas. Regardez sur Wikipédia. Moi je suis pas Wikipédia, j'ai la flemme d'aller voir. Et en plus, ça va vous apporter quoi pour ça, de le savoir. Pour la date, non. Pour celui qui a créé la musique, oui, vous pouvez aller voir, mais franchement, c'est juste beau d'écouter ça après, avoir des références culturelles comme ça, c'est bien. Voilà. Du coup, la musique qui est juste ambiante, voilà, elle est stressante, en maudit, en maudito, spaccato, je viens d'improviser, là. Oui, j'aime bien improviser dans la vidéo. Ça aussi c'est improvisé là. Tu vois, et dire le fait d'improviser, ça aussi c'était pas prévu du tout. Bon, je vais arrêter de divaguer parce que voilà, c'est un peu ennuyant pour vous. De toute façon, la petite voix de souris est sûrement en train de vous dire toutes les références culturelles parce que moi j'ai pas envie de vous le dire. Eh, moi aussi j'ai la flemme, hein. T'es pas le seul Tristan. Parce que moi, j'ai pas envie de m'embêter à regarder sur Wikipédia, j'ai pas envie. Essayez de comprendre. Bon. Ok, c'est John Williams qui fait la musique du film et qui est incroyable. Je dois aussi vous dire un truc, après Noël, mes vidéos seront mieux. Parce que j'aurai une vraie, de vraie caméra, où je pourrai la placer vraiment partout. Parce que là, je filme avec un truc, pas envie de vous dire du tout ce que c'est. Sinon, voilà, tout le monde pourrait savoir un peu mieux. Même AZERTY va se donner. Si je vous dis avec quoi je filme. De toute façon, AZERTY, il le sait. Mais si je le dis à vous, eh ben, il va suivre le mouvement, hein, franchement. Bon, voilà, après Noël, je pense aussi avoir un fond vert. Voilà, un fond vert, ce qui est très cool. Tu vas un peu loin, là. Tu vas nous dire après que tu vas avoir un studio et tout, c'est ça? Franchement. Je pense aussi avoir plus de 1 million d'abonnés, oui. Ok, là, t'as vraiment poussé le bouchon un peu loin. Même trop loin, non, arrête-toi, là. Je serai aussi un spécialiste hors pair. Plein de nouveaux trucs, voilà. Je serai un dieu sur le cul. Voilà. Et aussi Internet qui devrait arriver dans longtemps. Longtemps parce que ouais, c'est pas encore prévu dans combien de temps. Mais ça devrait arriver Internet par un teaser. Bon, là je divague, hein, mais voilà. C'est parce que la vidéo elle est faite à l'arrache. Je dois vous faire quelques petites news en même temps de vous critiquer les dents de la mer. Voilà. Quand j'aurai critiqué les dents de la mer, je vous critiquerai plein d'autres films. Oula, une notification. Je ne vous dis pas à quoi je filme. Voilà, j'ai failli vous le dire en disant la notification. Bon, pour ceux qui ont compris avec quoi je filmais, ben tant mieux. Et ceux qui n'ont pas compris, ben pas tant mieux. Enfin, tant mieux aussi. Voilà, tant mieux dans les deux cas. Oui, bon, je divague. Hein. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Les Dents de la Mer est un grand film qu'il faut voir ou enfin avoir vu une fois dans sa vie. Franchement, je vous conseille de ne pas le voir deux fois. Après, bien sûr, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais dans la mer, ça fait pas peur du tout, c'est nul !» En plus, le requin est mal fait, ça fait pas peur, les acteurs sont pas crédibles. Bon, okay, c'est vrai qu'il y a des effets spéciaux qui sont très mal faits. Par exemple, il y a quelqu'un, à la fin du film, il se fait découper en deux. Je vous dirai pas qui c'est, mais sinon ça spoil. Et aujourd'hui, je spoil pas. Enfin, qui se fait couper en deux, comme ça. Et on voit les dents du requin. C'est vrai que les dents du requin, c'est du carton, voilà, et du coup ça se plie sur son ventre. Super réaliste. Ouais. Je l'applaudis.
imprévu aussi. Très imprévu là. Ouh. Je suis claqué les mains, elles sont toutes rouges. Bon. Je tiens aussi à vous dire qu'il fait froid. Ouais, bon. Aucun rapport. Hein. Je suis pas à la météo, hein. Je suis pas Wikipédia, je suis pas à la météo. Aussi, cette vidéo durera sûrement moins longtemps que les autres. Parce qu'elle est faite à l'arrache, je répète. Voilà. Je tiens du coup à mettre, je crois que je l'ai déjà dit, je suis pas sûr, un 17 sur 20 au Dent de la Mer, 17-18, comme vous voyez, voilà. Dites-moi votre note dans les commentaires parce que ça peut m'intéresser, voilà. Et pour ceux qui l'ont pas vu, bah allez le voir, voilà. C'est la dernière chose que j'ai envie de vous dire. Sauf que maintenant, il faut que je vous dise aussi un truc. Je vais vous rappeler du Au cinéma avec Tristan. J'ai fait 2 épisodes dessus, c'est une série, voilà, sur ma chaîne. Le prochain, ça sera sur Blade Runner, qui sortira dans je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai toujours pas vu Blade Runner 2049, créé par Denis Villeneuve. Voilà, je compte aller le voir à Paris, à Noël, voilà. Là, je ne suis pas à Paris, hein. Je suis au bord de la plage. En fait, j'habite au bord de la plage, du coup. Voilà, je compte aller voir, du coup, Blade Runner 2049. 48, je sais plus, quand je serai à Paris, d'ici le... je viens de casser un truc, d'ici là, portez-vous bien, et je tiens aussi à vous dire que à Paris, il y a toujours Star Wars 7, qui est tourné dans les salles de cinéma, apparemment, enfin, ouais, même je crois, ouais. Même si c'est vrai, et il sortira en 2015 quand même le film, et toujours au cinéma, à Paris. De fou. Et je vous ferai aussi un spécial, je vous ferai aussi un Au cinéma avec Tristan pour Star Wars 8, voilà, parce que Star Wars 8, tout le monde l'attend avec impatience, enfin, moins que le 7, parce que le 7 quand même c'était une révélation, hein. Enfin, c'était, ça faisait longtemps qu'on avait attendu Star Wars, voilà, du coup, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Le prochain film, eh ben, c'est moi qui l'ai décidé, mais je vous dirai pas ce que c'est pendant ce temps. Du coup, Jean-Paul l'acteur n'est pas là. Voilà, je vais partir. Voilà, du coup, il y aura eu le coma que de moi dans cette vidéo avec la petite voix de souris. Voilà, tous les autres acteurs, Jean-Paul l'acteur, Zombard et Crépy, le général, Ninemos. Attends, si, il y aura Ninemos parce que j'ai envie de vous les montrer. Ninemos, c'est mon chat, mes deux chats en fait. Voilà, c'est les deux seuls acteurs que j'ai pas encore montré sur ma chaîne, voilà. Tous les autres, vous les connaissez, et on les aime. Voilà Nine, voilà un gros chat bien pépère avec beaucoup de poils, prêt pour l'hiver. Et Mose, je sais pas où il est. Voilà. Mose, c'est un chat noir, voilà. Qui est plus petit que Nine. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, parce que là, je sais pas où il est. Il est parti, du coup, comme c'est le rush. Désolé, ça c'est parce que je suis malade. Oh, je me suis fait mal en plus en faisant cette cascade inutile et improvisée. Voilà. J'ai fait croire que je m'étouffais. Voilà. C'était très gênant. Allez, au revoir. Parce que là, je divague. Mais en fait, dans les Dents de la Mer, le requin, c'est même pas un requin, c'est un mégalodon tellement il est gros. Vous ne croyez pas, vous? Attends, il est énorme. Hein. Pour moi, c'est un requin préhistorique. Ça me fait penser un peu à Jurassic Park, tiens. Qui est aussi un autre film de Steven Spielberg, comme par hasard. Bon, en même temps, c'est une grosse bébête qui mange des gens. Voilà, comme dans Jurassic Park. Rien de plus simple. Abonnez-toi, parce que c'est bon de s'abonner, tu vois, espèce de spacoute ou de ramal, comme tu veux, parce que Benjamin, il dirait ramal. Voilà, bon, on a compris, au revoir, ça va durer trop longtemps la vidéo, sinon...